Bon, voilà, alors, on arrête le timer. Nos trois tours sont faites. Hein? Ça fait une belle pâte, ça. Un petit peu, on en farine, on est rendu à l'avant-dernière étape, avant de mettre dans le four un petit peu de farine. On la magane pas trop. Ça prend le coupe-pâte, on en farine toujours un petit peu. Bon. La recette dit 3, mais moi je fais 2 baguettes. OK? Sinon, on coupe en 3. Légèrement, pour ne pas écraser la pâte. On boule légèrement. Bouler, c'est un petit tour. Il ne faut pas trop l'écraser, garder des bulles. Un tour, c'est assez comme ça. Une boule. C'est ça qu'on dit bouler. Voilà. La deuxième, regarde les belles ballons là. Il faut garder ça, ça va rester ça. OK, on a une boule. Pétrer juste une petite affaire. Pas trop, voilà. OK. Nos deux boules. Maintenant, on recouvre encore une fois. On va garder de la bonne eau chaude. Voilà. Alors, il va rester un autre 20 minutes. Voilà. À plus. Time. Ça sera pas bien, bien long. Trouve-vous une lèche-frite ou quelque chose à mettre au four. Parce que ça, on va mettre de l'eau dedans. Voilà. Ça sera pas long.